N'avez-vous jamais rêvé d'une ville? Une ville où vous pourrez être heureux et épanoui avec votre famille. Bonjour à tous les amis, c'est Serge Chef, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, mon casque en témoigne. Aujourd'hui c'est un jeu de construction, nous allons construire une ville. Ce jeu s'appelle City Skyline, les amis, c'est un jeu assez réaliste où vous pouvez construire une méga ville comme témoigne un peu le décor autour, vous pouvez vraiment faire une capitale avec un aéroport, des trains, des bateaux. Et du coup ça va être le but du jour, ça va être de créer la plus grosse ville possible. Personnellement ce jeu je le connais pas depuis spécialement longtemps, mais j'ai quand même pas mal joué, j'ai quand même pas mal adoré. Donc je vais vous le montrer un peu aujourd'hui en vidéo. Il ressemble un peu à SimCity en plus prononcé je trouve et en plus drôle. Moi je jouais aux anciens SimCity pour ceux qui connaissent un peu, où on pouvait faire sortir les flics avec les boucliers pour mettre des gens en prison et je trouvais ça trop drôle. Ok, donc là aujourd'hui les amis j'ai sorti le casque de chantier. On n'est pas dans Jurassic Park, attention, on est bien dans un jeu de construction de ville hein. Voilà. Et du coup, la ville, le nom de la ville sera Sarge City, alors à ne pas confondre avec Souris City, ça n'a rien à voir. Et donc Sarge City, ce ne sera pas une ville de tyran, mais une ville bien sûr d'apaisement, de bonheur et de joie, vous allez voir ça. J'ai choisi comme thème de carte bois noir, bon voilà, on voit qu'on a des ressources, on a le pétrole, on va pouvoir se faire des thunes. Et voilà, thème de la carte personnalisée, aucun, on n'a pas trop le choix. Et du coup, on va faire Sarge City, attention, c'est parti, et ça rime. Voilà. C'est vraiment, c'est pas le casque de Dark Vador, mais il est quand même toute option ce casque. On peut vraiment faire de gros chantiers avec sans se prendre des poussières dans la gueule ou du bruit. Donc voilà, franchement, ce casque, il est pas mal. On n'a pas que des casques de la seconde guerre mondiale. Voilà. Donc voilà, Sarge City. Attention, c'est très joli. C'est un bout d'île, hein, voilà. On remarquera qu'il y a une autoroute qui va jusqu'à Radiator Springs, je sais pas, mais qui passe par Sarge City. Donc le but c'est que les gens justement sortent aux sorties d'autoroute pour aller à Sarge City, parce que pour l'instant on voit qu'il n'y a pas grand monde qui veut venir chez moi. C'est normal parce qu'il n'y a rien, bah oui, soyons un peu logiques, preuve de bon sens. Bon, alors voilà, donc ça c'est 70 000 euros des abonnés, c'est l'argent du jeu de départ, et avec cet argent, eh ben, ne tient qu'à nous de construire une ville. Oula, j'ai l'impression que mes clics sont un peu forts. Ok, le constructeur est de retour. Allez. Je cherche un petit bâton, ça sert à rien. Bon, ok, alors du coup, je disais, ouais, j'ai réglé un peu le. Okay. À Sarge City, à part une route, il faudrait qu'il y ait une sortie de route. Donc, je pense qu'on peut quitter l'autoroute par là. Mais quitter l'autoroute, je pense qu'il vaut mieux la quitter. Ok, ah non, j'ai vraiment que la première route en fait. Ok, en fait, j'aurais bien aimé mettre une route à sens unique parce que c'est un peu con. Là, c'est à sens unique. Mais là, on peut arriver dans les deux sens pour aller sur l'autoroute. Enfin bref, c'est Sarge City, c'est rien. Ou alors peut-être un petit rond-point. Non, on a vraiment rien. Ok, on doit juste vraiment mettre une route. Ok, bah tu veux ta route, je vais te la mettre ta route, moi. Voilà, ok, c'est bon. Ok, donc maintenant, on va supprimer la route. Pour faire une route, voilà, à sens unique. Et là, je suis déjà un peu plus heureux. Ok, la route à sens unique, elle pourrait faire, je sais pas, un petit truc comme ça. Voilà, hop. Et là, on arriverait au premier croisement. Ok, ouais, j'ai déjà des grosses routes, ok. Waouh, est-ce qu'on voit pas déjà très grand en faisant une grosse route? Ouais, si, non, ouais, c'est un chiffre, ah, mais après, ouais, si, on va commencer par des grosses routes, parce qu'à long terme, il y a beaucoup de gens qui vont arriver. Donc, je sors ma grosse route, et, admettons, je sais pas, je fais un petit... voilà, hop, comme ça, hop, voilà. Voilà, c'est à peu près équidistant, on va dire. Non, en fait, c'est pas du tout équidistant, c'est pas grave. Ok, donc voilà, on a un premier aperçu de Sarge City. Et qu'est-ce qu'on peut faire à Sarge City? Eh ben, je sais pas, peut-être que, par exemple, là, ouais, ça marche par... C'est pas bâtiment par bâtiment, pour ce qu'il faudrait savoir, c'est par zone, vous voyez. Donc là, bleu, je vais faire une zone commerciale. Et là, admettons, vert, je vais faire une zone résidentielle, voilà. Donc là, on n'est pas trop près de la sortie d'autoroute. Mais on y est un petit peu quand même. Et là, voilà, je fais une petite zone... résidentiel, voilà, hop, on fait ça comme ça. Mais le plus important, les amis, c'est de l'eau, parce que il n'y a pas de vie sans eau. Donc là, on met les lunettes, parce qu'on va plonger. Non, on va pas faire de la plongée, mais on va. Je vais parler. C'est mal foutu ce casque. Bon, ok. Oui, parce que j'avais les lunettes dans, la visière dans le pif, et c'était très agréable. Ok. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pomper l'eau. Voilà, hein. On pompe de l'eau. Donc on va mettre. Ah oui. Alors, ça fait un petit peu de bruit, donc faut pas trop. Voilà, on va pomper l'eau ici. Ok. Hop. Donc l'eau de la ville sera pompée ici, et donc l'eau arrivera par ce tuyau. Hop. Qui, grâce à mon schéma, hop, ouais, donc la zone bleue c'est la zone recouverte par de l'eau, voilà, mon schéma est parfait, ok, voilà, hop, la zone d'eau, c'est bon, ok. Pour que notre pompe d'eau marche, on sort l'éolienne, hein, pour faire un peu d'électricité, ou alors je pourrais faire une centrale à charbon, mais ça serait un peu mal vu par nos amis écologistes, donc on va faire l'éolienne, donc voilà, hop, l'éolienne a fait un petit peu, elle est pas très belle à voir aussi visuellement, mais elle pollue pas, ok, voilà, donc là, hop, donc la zone reprend l'électricité, j'amène mon pylône électrique, voilà, et je pense que ça devrait recouvrir les maisons, ok.
Mais, vous voyez, cette eau, c'est bien, vous buvez de l'eau, vous avez ça. Mais quand vous allez aux toilettes, parlons-en, c'est dégueulasse, mais on va en parler. Et que vous faites vos besoins. Vous allez pas nous renvoyer l'eau. Vous allez pas nous envoyer votre merde ici, quand même, les gars. Non, il faut un tonneau à caca. Non, merde, on va pas le mettre ici, le tonneau à caca, parce que les gens seraient écœurés de voir de la merde sur le pont. Sous le pont, pardon, donc on va la mettre où, la merde à caca. Ah, il y a du courant. Ah, mais c'est... Dans tous les cas, même si je la mets là, avec le courant, il va partir là-bas, la merde. Non, moi, je vais la mettre... Ouais, non, je vais pas la mettre trop près du pompage. Je vais pas où mettre la merde. Ah ! Non. Bon, bah, on va mettre le caca là-bas. Hop, également, il faut une éolienne pour le caca. Voilà, c'est pas très beau, tout ça. Hein. Je peux pas tourner le bâtiment ? Non, je peux pas. Si, je pense qu'il y a une touche pour le tourner, mais je vais pas trouver. Ok. Et donc là, je fais ma lignée électrique. Ah, j'étais même pas obligé de le faire, mais je l'ai fait quand même. Ok, oula, merde, j'ai des pylônes électriques dans l'eau, c'est rien, c'est Serge le chef. Ok, oura, voilà, la station d'eau est arrivée. L'éolienne, elle tourne ou pas? Ah, au boulot, cocotte, ouais. Par contre, j'aurais bien aimé savoir s'il n'y avait pas une touche pour tourner les bâtiments. Ok. Voilà, donc là, normalement, Sarge City devrait se développer. Je vais passer le temps un petit peu vite. Le temps passe, il n'y a rien. Ah, si, c'est bon, la première maison. La première maison est en construction. Les premières maisons. Oh là là, attention, c'est la maison historique, ça. Voilà, hop, on va l'appeler. Hop, la résidence, pas de Monsieur Mouleur, mais de Sarge. Voilà, Sarge Maison. Voilà, c'est la Sarge Maison et non pas la maison de Sarge. Maison, non, mais c'est pas écrit. Ok, si, maison, ok. Ah voilà, donc là, vous voyez, par exemple, quand je vais aux toilettes, il n'y a pas le tuyau à caca qui passe. Bah si. Ah mais non, merde, le tuyau à caca, il est pas relié. Tuyau à caca. Ok, c'est bon, il est relié. C'est bon, maintenant, vous pouvez aller aux toilettes, ok. Vas-y, on va faire honneur aux abonnés. On va vous mettre des petits noms de maison, voilà. On va regarder les noms de ceux qui ont mis des commentaires sur la dernière vidéo. Je vais tous vous faire une maison. Voilà, c'est pour vous remercier d'être fidèle à la chaîne. Ok. J'ai même plus de baraque, y a plus assez de baraque pour tout le monde, toutes les baraques elles sont au nom des abonnés, il m'en faut une de plus. Construis une maison, allez. Voilà, c'est bon, ok. La résidence de... Voilà, ok, c'est bon, voilà les amis, je vous ai vraiment fait honneur, là, tous ceux qui ont mis des commentaires sur la dernière vidéo, vous avez tous une maison à votre nom sur la ville de Sarge, voilà, c'est à peine prétentieux encore d'avoir une ville à son nom. Ah oui, donc là, on a des problèmes d'électricité, ah oui, pourquoi? Bah non, ah bah si, parce que la ligne haute tension, vous voyez, hop, là, a rejoint la ville en violet. Du coup, là, normalement, on a le courant. Je vous garantis pas la fibre, mais on a le courant pour l'instant. Ok, donc vous voyez, les maisons marchent, tout ça, on a découvert un succès. Est-ce que quelqu'un ne viendrait pas chez nous? Ah oui, par contre, c'est con, parce qu'on peut venir chez nous, mais on peut pas partir de chez nous. Et ça, c'est un vrai problème. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire pour ceux qui voudraient partir, admettons. Eh bah, ouais, ça fait pas très joli. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc le virage, il faut pas se louper, mais bon, on peut pas prendre tout. Ok, qui va venir en premier chez Sarge? Qui va venir en premier chez Sarge? Alors. Personne, ok, donc là vous voyez on a les besoins, besoin de maison, plus il y a de maison plus ça descend, besoin de commerce, plus il y a de commerce plus ça descend, besoin industriel, plus il y a d'industrie, plus ça va descendre. Ok, donc là on a les premiers commerces qui arrivent, on a, c'est pas un sex shop, c'est un magasin de nuts, attention, je rigole. Du coup là on a quoi? On a la pharmacie, hein, très important si vous êtes malade, et on a la boutique du quartier, donc là c'est là-bas qu'il y aura probablement des braquages. Et personne ne vient chez moi, je suis très triste, d'accord, bah il y a des gens qui habitent mais je sais pas où ils sont, bah oui mais peut-être qu'ils sont sur la route, je sais pas. J'aurais bien aimé voir le premier pélo qui va arriver. Ah oui, c'est bon, le voici, ok. On va ralentir le temps, qui est cet homme? C'est Break, en route vers la résidence Serekai. Ah bah c'est un abonné, ok, bah bienvenue. Voilà, dans ton petit monospace rouge, bienvenue à toi dans la ville, ok. N'oublie pas de t'arrêter au feu, de respecter la circulation. Ok, on a quelqu'un d'autre qui arrive, ok, c'est qui? Voiture de sport, oh bah lui ça rigole pas. Propriétaire, Cédric Champion, à la résidence du Général 40. Ouais, alors Général 40, c'est grâce à cette vidéo, tu roules en Lamborghini et tu t'appelles Cédric. Ok, oh là, y'a tout le monde qui arrive, oh là, qui arrive en petit scooter? Qui arrive sur le scooter? Alors, ah, bah c'est Polaskia du coup. Ok, on a qui d'autre? On a... ouais, la résidence Polaskia. Ah bah vous êtes plusieurs, ok, t'arrives avec le scooter et la voiture. Wesh, c'est un convoi ton truc ou quoi? Y a les deux scooters et la voiture au milieu. Non, c'est pas un scooter, c'est un fauteuil roulant de l'espace. D'accord, ok. D'accord, c'est moi que... C'est que le même. Ah, que le même. T'as le... Tu travailles à la pharmacie et t'as le...
T'as le fauteuil roulant de l'espace. Ok, il y a du monde, sympa, cool. Eh, hey, grosse fête chez Sarge. Et regardez, tout le monde se garde devant chez Sarge. C'est les abonnés qui veulent me voir. Oui, bonjour, je vous ai compris. Ok, wow, qui se garde comme ça? Wow, bah, Yonk, ça va? Wesh, il casse tout! Il casse tout! Il sait pas conduire, lui. Oh bah, Yonk, ok, bon, voilà. Donc là, c'est très bien, on a du monde qui travaille dans les commerces, mais les gens, ils veulent tous de l'emploi. Et l'emploi, il y en a pas pour tout le monde, donc il va falloir faire une zone industrielle. Alors, la zone industrielle, donc il faut la mettre un peu à l'écart de la ville, hein, parce que. C'est jamais très agréable de se prendre un peu de pollution. Donc la zone industrielle, elle sera par où? Bah, moi, je propose de suivre la ligne électrique. Voilà, ok, donc là, on arrive vraiment la grosse zone industrielle de Sarge City. Donc ouais, je dis pas faire boire la mer, c'est exactement un peu ce que je fais. Ok, voilà, hop, hop, voilà, ici, ce serait pas mal. En plus, on a côté électricité, ça devrait pas poser trop de problèmes. Donc là, normalement, on a une industrie qui va se développer. Ouais, on est en déficit d'argent, pourquoi? Parce que j'ai dépensé beaucoup et... les gens ne me rapportent pas assez, donc ma ville est mauvaise. On est 150 à habiter, donc pour l'instant on est un peu moins que le nombre de la chaîne, hein. Mais vous allez voir, on va très vite le dépasser. Ok, donc là l'industrie devrait arriver sous peu. Ouais. Classer un bâtiment comme historique. Ah, est-ce qu'on classerait pas la maison de Sarge comme historique? Puisque c'est la première, ok, donc ça veut dire qu'elle restera comme ça quoi qu'il arrive. Ok, bah on va garder ma maison comme ça. En vrai, elle est pas dégueulasse ma maison, moi j'aime bien. On a Colomène par contre qui a une maison encore plus belle. Et on a Marie-Lou qui a une maison un peu moins belle. Ok. Alors, bon, on ne juge pas, c'est un jeu, voyons. Ok, donc là, tac, et tac, voilà, donc là, on met de l'eau dans nos bâtiments. Ouais, alors apparemment, ouais, bon, ils sont bien courageux ceux qui ont travaillé à l'usine. Ici, on fait quoi? On fait des prêts à porter, ok, pourquoi pas. Ici, on fait de la boîte de conserve, voilà. On fait des petits bâtonnets de poisson, des petits bâtonnets, voilà, de Capitaine Igloo. Bâtonnets de poisson aussi, ici, bah, et Capitaine, et on fait des glaçons, voilà, ok. Donc c'est vraiment tourné vers la pêche, ok. Donc voilà, pour l'instant on a beaucoup d'entreprises, donc plus de personnes veulent habiter puisqu'il y a de l'emploi, c'est normal, ça s'équilibre. Et non, franchement, ma ville, pour l'instant, elle est pas trop dégueulasse, et personne s'en va, c'est que les gens sont heureux, visiblement. Voilà, donc la petite épicerie du coin, par contre, le parking, il est un peu chelou, le parking, on est d'accord. Ok, donc là, c'est bon. Oula, ouais, les camions qui arrivent, donc là, les camions, ils vont... Ah ouais, par contre, voilà, hein, j'aurais peut-être pu anticiper et faire une recade. Attendez, je sais pas si on peut faire ça. Pour aller directement en zone industrielle sans passer par la ville, peut-être. Ouais, hop. Comme ça, vous êtes pas emmerdé à... ouais, je sais pas si ça va passer. Ouais, parce que... Ouais, bon, tant pis, on va couper un peu comme ça, voilà. Donc là, on aura vraiment la route si vous voulez aller très rapidement à la zone industrielle. Voilà, ok, hop. C'est bien, ça nous fera une petite, on va dire, déviation de l'autoroute. Comme ça, tu vas directement à la zone industrielle sans... ouais, ça fait peut-être un peu moche, je sais pas. Bon, ok. Parce que là, on a les camions qui passent, ça pourrait... embêter certaines personnes, ouais. Bon. Après, c'est rien, c'est la rue. Hein. Et vous voyez, la ville, j'ai déjà anticipé, elle est pas mal grande. Après, bon, on préfère une petite rue privée, pourquoi pas, si ça fait plaisir à certains. Du style, hop, là, on se met un petit sens unique ici. Voilà. Voilà, c'est très agréable, on est content. Voilà. Et là, regardez ce qu'on peut faire, les gars. Cette petite rue à sens unique. Soit vous allez là. Vous rejoignez l'autoroute, ou alors si vous voulez retourner en ville, parce que sinon comme ça à sens unique, on va faire un petit tunnel, hop, je mets sous la terre, voilà, on prend le petit tunnel qui est ici. Alors je suis pas sûr de mon coup, est-ce que ça va être moche ou est-ce que ça va être beau, on va voir ça. Non, je pense que c'est pas si mal. Ah merde, bah, j'aurais bien aimé qu'il sorte là le tunnel, bon. Puis la merde de tunnel. Ah ouais, il faudrait faire le Kirjangla parce que ça va faire des bouchons si je refais une voie. Ok, attendez, on va mettre le tunnel. Attendez, bon, on va trouver. Laissez l'ingénieur faire. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Alors attendez. Eh, je sais pas, bon, au pire. Ah, t'es obligé de prendre l'autoroute, quoi, c'est un peu chiant. En vrai, c'est même carrément chiant. Bah non, attendez, c'est de la merde, c'est trop ta sens unique là. Attends, on a emmerdé, l'ingénieur est mauvais. Ah bah au pire, attendez, ça va être un peu chiant ce que je vais faire. On va faire ça pour l'instant, le temps de trouver... Voilà, hop. Voilà, comme ça tu peux revenir en ville par là. Ok, c'est clairement moche. Okay. Ouais, c'est ça comme ça, c'est rien, c'est Sarge City. Ok, ouais. Hop, j'enlève ma visière pour une vision plus détaillée. Ouais, voilà, donc là, vous voyez, ils cherchent de l'emploi parce qu'il y a beaucoup d'usines, mais il n'y a pas assez de personnel. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Cette petite zone résidentielle très sympa, et bah, on va construire, voilà. Ok. On n'a pas besoin de commerce, hein, niveau commerce, on est déjà très bien, on a l'épicerie, la pharmacie, on a ce qu'il faut.
Donc les gens sont contents. Par contre, je suis plus dans le déficit, je suis dans le vert, je gagne des sous, c'est bien, c'est que la ville marche. Ok, donc là, ça construit là-bas. Petite rue à sens unique, vous serez très tranquille dans la rue Stéphane. Et du coup, voilà, ok. Voilà. Ok, ouais, par contre, c'est vrai que les pylônes électriques sont un peu balèzes. Hein. Bon, c'est rien, c'est normal, c'est la ville, mais... Bon, et vous voyez, normalement, le jet de caca, pour ceux que ça intéresse... ça bombarde de merde. Et voilà, voilà. Donc là, ma ville s'est développée, on va pouvoir faire une école, une décharge et une clinique pour soigner les gens. Ok. Parce que la pharmacie ne suffit plus. Oh merde, ouais. Ah bah, ouais, les gars, je vous déconseille. Je vous déconseille de plonger au petit ponton, ça pourrait être très sympa en temps normal, enfin ça a l'air un peu dangereux quand même. Surtout qu'il y a la merde qui arrive donc Ok bah cette ville est... Ouais bon... Ah merde y'a pas d'eau, y'a pas d'eau, ok oui. Ça a été mal fait par les ingénieurs ça encore, ok c'est bon voilà, hop. Mon circuit d'eau est très moche encore une fois mais c'est pas grave. Ok du coup oui la pharmacie, très important, moi la pharmacie je la mettrais bien entre, vous savez, un peu la ville et le... Enfin c'est même pas une pharmacie, c'est une clinique là du coup, ouais. La clinique elle sera un peu entre la ville et les usines, comme ça s'il y en a qui est malade, et ben on peut vite aller le transporter, ok. Est-ce qu'il y a une petite ambulance qui peut sortir normalement? Oui, il peut y avoir des ambulances, ouais, il peut y avoir des ambulances. Personne n'est malade, c'est très bien, tout le monde est en bonne santé. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein. Voilà, vaccination, Doctolib, non, je rigole. Ah merde, y'a pas d'électricité à la pharmacie, du coup merde, oui bah parce que oui, voilà, ok. Peut-être pour ça que les ambulances ne sortaient pas. C'est bon, ouais, y'a plus de courant, les pylônes ne rejoignaient pas. C'est bon, le courant est revenu les gars. Ah mais abusez pas, c'est revenu, ok. C'est bon, les bâtiments marchent, voilà. Ouais, c'est un peu chiant que les gens, ils ont toujours pas compris qu'avec leur camion de merde, ils devraient passer par la petite rocade. Ouais, je pense qu'ils passent... Bon, je sais pas. Normalement, l'IA est assez intelligent dans le jeu. Ok, on a un peu un besoin de tout, donc ça va. Ah oui, la décharge. Alors également, la décharge, hein, il faut pas la mettre près des bâtiments, parce que ça, quand je vous dis que ça pue, là. Donc la décharge, je sais pas trop où on va la mettre, on va chercher. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une école, voilà, une école. Ok, ouais, l'école, c'est important, ça, l'école. L'école, on pourrait la caler... Ouais, un peu dangereux, là, il y a un peu beaucoup de route ici. Voilà. Ouais, mais c'est à sens unique, ça va faire chier tout le monde. Ouais, non, mais là, c'est dangereux, il y a de la route. Ok, bon, on va refaire une route, On va faire le chemin de l'école. Le chemin de l'école que personne aime, évidemment. Ok, ouais. Pourquoi pas, là? Ah non, ça va détruire la maison des abonnés. Non, non, on va rien détruire ici. Voilà, donc toi, ta maison, elle dégage, mais le reste, c'est tranquille. Ok, voilà. Et donc là, pourquoi pas caler l'école. Ouais, ici, ça va, en vrai. Non, c'est pas dangereux, ici. Franchement, abusez pas, les gars, elle est pas dangereuse, l'école. Et là, pourquoi pas mettre un petit commerce, voilà, à côté de l'école. Vous l'achetez un croissant après les cours. Voilà, admettons, hein. Ok, là, on pourrait refaire une... Merde. Ouais, ça pourrait être... pas trop mal. Après, je vais pas faire une route, une ville trop, ça va être trop droite, trop quadrillée. Voilà, super sympa. Et regardez là, hop, ouais, c'est beau ici. C'est franchement c'est beau la rue Piper. Moi, j'achète. Hein. Okay, voilà, hop, des petits magasins pour ceux qui sortent du boulot et pour ceux qui sont là. Non, ça va. Franchement, elle est pas dégueulasse la ville. Hop, et voilà. Ok, hop, c'est reparti. On aménage tout ça, Sarge City, par contre je rembourse la banque, ça c'est tout de suite moins drôle. Ouais. Est-ce qu'on a du monde qui va à l'école? Ok, des gens ont envie d'inscrire leurs enfants à l'école, donc vous voyez, franchement c'est très protégé, on a une vieille grille qui sert strictement à rien, on a une balançoire, une récréation, donc voilà, faut juste pas que l'enfant de la récréation décide d'aller sur la route, ce serait très dommage, mais encore, normalement ça roule pas trop vite. Par contre on a vraiment des belles maisons, c'est sympa. Hein. Ouais, là je mets vitesse fois truc, donc on a l'impression qu'ils roulent très vite les gens, mais en réalité ils sont beaucoup plus prudents que ça. Oh, gang des scooters, oh là là. Le scooter, la Lamborghini est escortée par les petits scooters là, c'est... Oh, putain mais tout le monde roule en Lamborghini dans cette ville, mais what? Avec des Lamborghini, avec des gens riches. On va supposer que vous êtes très riches, messieurs les abonnés. Ok, alors, on va... Voilà, hop, on refait le... Merde, il est vraiment moche mon schéma de l'eau, mais bon après c'est pas ce que les gens regardent, donc ça va. Ah oui, il faut la décharge, oula, oui, c'est moins drôle. Oula, ouais, merde, mais j'ai pas envie de mettre du caca pour les ouvriers, enfin on va pas leur faire des mauvaises odeurs. On va la mettre près de l'eau, tant pis, l'eau va être polluée, mais... Hop, la donne à quelqu'un. Voilà, la décharge, hein, parce que ça sent quand même mauvais. Voilà, et là, normalement, on a les éboueurs qui vont partir au boulot. Ah merde, y'a pas d'eau. Et si, y'a de l'eau. Et si, y'a d'électricité. Ah non, bon. Là, y'en a. Ok, voilà, donc là, on a les éboueurs qui partent en mission... mission protection de l'environnement. Ils vont ramasser les ordures, c'est très important. Hein. Grosse dédicace à nos éboueurs, parce que c'est un boulot... nécessaire, hein. Ok, donc voilà, ils nettoient la ville, c'est bien. Ok, par contre, ils sont chiants, les camions, personne se sert de ma route de merde. Parce qu'ils vont plus vite sur celle-là, c'est pour ça. Ils vont emmerder tout le monde, là. Allez. Oh, ma petite maison rose.
Chouchou. Voilà, c'est quoi ça? C'est la nouvelle pharmacie. Ouais. Oula, c'est balèze ça aussi. L'épicerie du coin, elle est stylée, elle est un peu plus noble celle-là. Ok. Donc là, on a vraiment la rue des abonnés, on a vraiment toutes vos maisons, les gars. Petite dédicace à vous. Hein. Enfin, une petite maison guirlande. Ok. Boutique du quartier, supérette. Et on a l'école élémentaire. Bon, ça, on n'a pas trop. On a 70 élèves dans la ville et on a 77 personnes. Ok, bien. Non, c'est bien. Ah, pareil, l'industrie, je peux la spécialiser, je peux faire des fermes et tout, mais là... ah oui, il faut voir les ressources, carte des ressources. On l'a pas encore? Non, on l'a pas encore. Oula, merde, il pleut, ça c'est chiant. C'est la fête à la grenouille. Oula, vache, la tornade. Bon, on en a des trucs de glace. Ok. Ok, les gens veulent habiter encore chez moi. Très bien, ils veulent le plus de maisons. Ah, est-ce que je pourrais pas caler le petit rond-point? Ah, sympa. Pas assez d'argent, ouais merde, on a plus de thunes et là je me suis emmerdé à faire un rond-point qui me coûtait cher. Ok, on refait, on continue, c'est bon. Ok, je fais ça, j'ai vraiment plus un rond. Ok. Et on a un problème d'électricité, merde, il nous refaut une éolienne. Attendez, faut qu'on gagne un peu de sous là parce que c'est la crise. Une éolienne, elle va me coûter un avion. Aïe aïe aïe, 6000 l'éolienne, ah, voyons, plus les crédits qu'on doit rembourser, ça va être cher. Bon. Ah oui! Ok les amis très importants, vous voyez quand on passe un niveau, genre là on est devenu un petit village, on a gagné des thunes. Parfait, c'est bien, on a eu des subventions de je ne sais. Oh merde, oui, c'est bruyant les éoliennes. Ouais, j'ai peur de faire un peu beaucoup de bruit. On va les mettre au niveau. Ouais mais même pour la décharge, c'est pas grave, ça fait un peu de bruit. Ouais, on va dire que non. De toute façon la décharge elle-même fait déjà du bruit. Ok, ah voilà, on a la police, parce que les gars là ça zone dans ma ville, il y a des bandits là, il faut les arrêter. Les bandits souvent ils traînent devant les. C'est un peu cliché, mais devant les zones industrielles, donc on va mettre le commissariat. Je sais pas, faudrait qu'il soit polyvalent quand même. Là, il est au milieu de tout, on va dire, le commissariat. Allez, le commissariat, il sera après le rond-point, comme ça, je pense qu'il couvre bien l'ensemble de la ville. Par contre, la caserne de pompiers est très importante aussi, mais la caserne de pompiers, on va la mettre vraiment au niveau industriel, parce que c'est là où il y aura le plus de feu, je pense. Donc là, est-ce qu'on a la police? Et voilà, comme d'hab, ça fout rien. Bon, les policiers, ils sont où, ouais. Oh là, elle va où avec sa petite mallette, elle? Oh non, elle va à pied. Ouais, bon, ça fait pas mal une petite marche, mais... Et Taylor, elle est courageuse, hein. Mais non, ils vont à pied au boulot. Mais non, ah non, bah non, on va leur mettre des bus. Enfin, en vrai, c'est bien, hein. C'est bien d'aller à pied au boulot, mais... Ouais, comment on ferme cet onglet, là, c'est bon. On a vu le trajet de Taylor, on est content. Ok, oui, alors oui, bon, vous voyez, ça circule bien dans la ville, il y a de plus en plus de gens qui s'arrêtent, hein. Oui, on a des convois qui rencontrent dans la ville et tout, c'est bien. Putain, mais il y a trop d'orage. Oh, il y a le feu, merde! Bah, il pleut, c'est rien, ça. On n'a pas de pompiers, mais il pleut, c'est rien, la pluie va éteindre le feu, normalement. Attends, la pluie est un feu. C'est la maison de qui? Je sais pas, mais ils ont pas l'air pressés de sortir, je crois qu'ils dorment. La résidence Valley. Tu sais, tout le monde passe, tout le monde s'en fout, genre c'est normal. Il y a le feu, mais c'est rien, c'est... Ah, le petit arbre, il a brûlé à côté. Oh, tout le monde s'en fout, il n'y en a pas un qui va s'arrêter, mais est-ce que les pompiers coûtent cher, hein. Et ouais, moi j'ai pas 10 000 balles à mettre, on a la police déjà, donc vous plaignez pas. D'ailleurs, on a même pas vu une voiture de police depuis le début, ni une ambulance. Personne n'est malade chez moi, c'est cool. Par contre, ouais, on a un petit problème peut-être pour se garer dans la ville. Non, quoique, ça va, tu gares où tu veux, on s'en fout. Ah merde, y a pas de courant pour tout le monde. Bon bah, et la ville, elle est pas trop mal, franchement, est-ce que vous n'aimez pas la ville? Après, dites-vous qu'il y aura un métro, il y aura... D'ailleurs, est-ce que je peux pas faire un... Ah si, je peux acheter des parcelles de terrain en plus. Ok, parfait. C'est vrai que la ville, je l'ai pas trop développée par là depuis le début. Vous savez ce qu'on va faire, les gars? C'est que là, c'est pas exploité, on est vraiment centré sur ce côté-là. Est-ce que je reprendrai pas mon idée de tunnel? Qui va avoir le retour du tunnel? Est-ce que là... Voilà, là, le tunnel, il passe. Ah, là, c'est le tunnel. Ok, ah merde, il est pas assez profond, le tunnel. Okay. Non mais oui, ah petit, ok c'est super, on touche des thunes. Ok, je vais pouvoir rembourser mes banques là, ce que j'ai, ouais, hop, on vous paye. Et vous, je peux pas encore vous payer, mais un jour je pourrais. Ok, alors. Ouais, le tunnel, attention, le projet tunnel. Le projet grand tunnel. Thank you.
Ok, bah franchement, pas trop trop mal. Pas trop 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 mal du tout même. On a une ville qui commence à bien se développer. Faudrait voir après le train qui arrive, les métros, les bus. D'ailleurs, je peux toujours pas faire les transports en commun. Non, on les a toujours pas. Je peux creuser un canal. Je le fais pas beaucoup, peut-être que certains trouveraient l'utilité. Je sais pas, peut-être par rapport à la mer, de l'envoyer quelque part. Parce que c'est vrai que là, vous voyez, quand je disais qu'il fallait pas se baigner là-bas, c'est pas pour rien. Un groupe rebelle d'archéologues a découvert. Oh, je sais pas. Ok, agglomération florissante, super! On va pouvoir s'étendre. Vous voyez, on a débloqué les grands ronds-points, on a débloqué les autoroutes. Ouais, super! Les transports, dépôt de bus, cabine de péage. Oh non, on va pas faire des péages. Cimetière, hein, parce qu'il faut un petit peu enterrer les gens quand même, ceux qui meurent. Et centre gériatrique. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, la colline se développe bien. Cool, on a déjà franchi, je pense, une bonne étape. Prochaine étape, les gars, à fond sur le transport, à fond sur le réseau de développement, parce que là, on va commencer à avoir les. Je peux vous assurer, quand le temps passe vraiment et que vous avez une méga grosse ville, mais ça bouchonne à mort dans ce jeu là. Déjà que le trafic est assez. Là, il est assez bien distribué le trafic parce que j'ai commencé par des grosses routes dès le départ. J'ai fait des 6 voies dès le départ, clairement. Et c'est ce qu'il faut, les 6 voies, c'est indispensable, sinon ça bouchonne. Mais vraiment, quand je dis que ça bouchonne, ça bouchonne. Et encore, on a des petites rues à sens unique, voilà, la police patrouille tranquillement, je sais pas ce qu'ils font les flics. Ah, bah, j'aimerais pas être suivi par cette voiture de police, bon bref. Et du coup, voilà. Ça s'est bien développé, on va avoir un besoin aussi industriel plus important. Et j'aimerais bien voir justement. Ah, la carte des ressources, voilà, pour finir rapidement. Ah, vous voyez, ici, les amis, on a des terres fertiles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des fermes pour du blé, du maïs. Oh là là! Le pétrole là-bas! On dirait que je suis le pub pour un jeu vidéo. Oh là là! Du pétrole! Et oui, il y a du pétrole dans cette forêt, donc là, on va pomper le pétrole. Oh la vache! L'île pétrolière aussi! Bah, disons. Ouais, cette petite île là, on va y aller, on va prendre ce qu'il y a à prendre, on va devenir riche grâce au pétrole, voilà. Enfin bref, voilà les amis, c'est la fin de cette première partie de vidéo, j'espère que vous avez bien aimé ce petit moment découvert, ce petit moment fun. Je trouve ça sympa de mettre un peu les abonnés en avant cette vidéo. Si vous remettez des commentaires, pourquoi pas refaire des gares à votre nom, des arrêts de bus, voilà, donc n'hésitez pas. Et je sais pas, le commentaire le plus liké aura l'aéroport à son nom, on sait pas, on verra ça plus tard, mais c'est fun, bref. C'est important encore une fois que vous soyez dans la vidéo, c'est la proximité qui compte, je le dis souvent, je le répète, mais que c'est vrai. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, moi je vais prévoir mes plans dans ma tête pour la suite, et sinon c'était un vrai bonheur à tourner comme vidéo, et voilà, c'est très simple, c'est très amusant. On se dira à très bientôt pour une toute prochaine vidéo, n'hésitez pas à me faire un tour de commentaire comme d'habitude, allez, ciao!